nouvelle émission de Si la musique m'était comptée, avec ce soir Émeric Mathieu qui nous a invité, Mireille Delinche, grande soprano française. Toujours un bonheur avec toi. Bonsoir Serge. Alors Mireille Delinche, bientôt avec nous. Je crois que tu as un petit texte. Je vais vous présenter Mireille, mais d'abord je voulais revenir sur ton générique quand même. J'aimerais bien savoir ce que c'est, on le dit pas assez. C'est un extrait du concerto pour violon et orchestre romantique de Benjamin Goldar. Il existe une très belle version chez Naxos, une maison, tu sais, c'est une encyclopédie musicale qui est démenée par Klaus Hemmann. À un prix tout à fait raisonnable, puisque les disques coûtent 7 euros. Quoi. Donc, ça va. Bon, il faut le chercher. Toutes les bourses. C'est noté. Et oui, donc ce soir, amené Mireille Delinche. Mireille Delinche, qui est donc la soprano lyrique française qu'on connaît. Alors, je vais vous lire quelques lignes du dictionnaire amoureux de l'opéra, que j'aime beaucoup, de Pierre-Jean Rémy. Alors, lui, il la présente comme ça. Mireille Delinche, c'est la Violette qu'on n'a pas entendue au Festival d'Aix-en-Provence en 2003. Donc des grèves, une manifestation de rue, et la voix de Mireille Delinche s'est évanouie sous les étoiles de l'archevêché. Donc en fait, on l'a retrouvée l'année d'après, avec le succès qu'on connaît. Donc c'était la version de Traviata, Marilyn Monroe. Oui, mise en scène Peter Mosbach. Voilà. Une Traviata qui est restée d'ailleurs dans la mémoire des Aixois. Exactement, puis bon, on l'a vu plusieurs fois à Aix, dans le couronnement de Popée, et j'en passe, des meilleurs. Donc je l'ai amené avec nous aujourd'hui, parce qu'on la retrouvera dimanche en masterclass sur les Noces de Figaro. Voilà, donc c'est avec l'Opéra Théâtre. Avec l'Opéra Théâtre pour tous, à l'hôpital Saint-Joseph, à l'auditorium, de 10h à 19h, avec une pause entre midi et 2. Ces masterclass auront lieu samedi et dimanche. C'est entrée libre pour le public. C'est entrée libre et gratuite, c'est samedi et dimanche, et avec donc Mireille Delinche, que le dimanche pour les Noces de Figaro. Alors Mireille Delinche est en ligne peut-être. Allô ? Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir dans Si la musique m'était comptée. Donc vous allez retrouver Marseille dès ce week-end pour des masterclass. Oui, tout à fait. Donc sur les Noces de Figaro et on a discuté un peu ensemble donc, de votre programmation musicale. Et donc, pour les Noces de Figaro, vous m'avez parlé donc, de la version de Carl Böhm, dont on va écouter l'ouverture. Thank you.
belle version des noces. La plus belle ouverture de Mozart, de toute façon, hein, les noces de Figaro, pour moi. Mireille Delange, pourquoi ce choix, Carl Böhm à la direction ? Parce que je trouve que c'est une très très belle leçon à beaucoup de chefs qui essaient un peu de réinventer le Moyen-Âge. Je trouve qu'on a là le son un peu originel, quoi. Enfin, c'est ce que j'imagine, moi, enfin, à la fois d'un aboutissement de ce que les instruments peuvent apporter aujourd'hui dans leur facture, qui n'était pas évidemment pas celle de l'époque de Mozart, mais en même temps dans l'élan à la fois qu'on a là, et puis le legato, et à l'intérieur du legato des articulations extrêmement fines. Je trouve qu'on a tort de ne plus l'écouter, et je trouve que c'est un beau retour à une certaine source, en tout cas. Ben oui, c'est... Voilà. Tout est dit. Donc, dans cette version, c'est Gundula Janowitz donc, qui fait la comtesse. Et donc, vous teniez particulièrement à entendre aussi cette chanteuse dans Lohengrin, que je dois avouer ne pas avoir trouvé dans mes placards. Donc moi, je vous ai proposé la comtesse dans le Dovessone. Mais avant, peut-être que je vais poser une petite question à Mireille. Votre histoire d'amour avec Aix-en-Provence et le festival, ça a commencé quand ? Ça a commencé en 99 avec le couronnement de Pompée. Le couronnement de Pompée, et puis ensuite, vous êtes venue pour Traviata, c'est ça ? Non, il y a eu d'abord il y a une reprise de couronnement de Pompée. Il y a eu le Don Giovanni mis en scène par Peter Brook qui avait fait une grande grande tournée et qui est revenu à Aix-en-Provence et on en a fait un DVD. Et ensuite donc il y a eu la Traviata. Ensuite il y a eu le premier tour d'écrou. D'accord. Et ensuite seulement Traviata. Donc le tour d'écrou de Benjamin Britten et puis ensuite donc la Traviata avec Peter Mosbach. Alors le souvenir de ce travail avec Peter Mosbach. Qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir ? Je dois dire, pour être tout à fait honnête, que pendant que je répétais, je n'y croyais pas tellement. D'accord. C'est-à-dire qu'il me demandait des choses carrément infaisables, c'est-à-dire de passer moi-même, avec ma présence physique sur scène, d'une présence immédiate, à des flashbacks. Il fallait que moi-même, je montre ma présence et puis l'instant d'après, un flashback. Ce qui me semblait à la fois infaisable, même si j'ai essayé de le faire avec beaucoup de sincérité, j'ai essayé de le faire à fond, mais en même temps, je ne voyais pas tellement comment les gens allaient pouvoir comprendre cette idée de flashback, surtout d'une seconde à l'autre et sans réel changement de lumière ou d'atmosphère. Je ne comprenais pas comment les gens allaient pouvoir entendre ces passages d'un état à l'autre. Et donc, voilà. Donc, en répétant, je dois dire que j'étais pas persuadée du résultat du tout. Mais ça, c'est un peu toujours la même chose. Quand on est sur scène, on n'a aucun recul et aucune perception de ce que le public ressent. Donc, il faut simplement s'abandonner à l'idée du metteur en scène et le laisser faire, parce que lui a une idée, et puis il faut être un bon petit soldat, ce que j'ai toujours essayé de faire d'ailleurs, et que ce soit avec lui ou avec des metteurs en scène plus traditionnels, de toute façon c'est lui le maître à bord, et nous on essaie d'exécuter. La seule chose que je puisse faire moi, en tant qu'interprète, c'est faire passer le texte que j'ai en main et la musique que j'ai en main par le sentiment, c'est-à-dire d'essayer de faire jaillir le texte et la musique de mon sentiment. Et le sentiment, lui, je peux le créer, mais c'est à peu près tout. Et sinon, on a des présences physiques, on est sur un espace délimité sur scène, et on ne peut que évoluer là-dedans en essayant de faire croire à ses sentiments, et surtout que le discours, et le discours musical a fortiori, jaillit du sentiment. Et quelle vibration avez-vous ressenti dans ce théâtre de l'archevêché ? C'est un lieu mythique aussi. Ben oui, c'est
bien sûr, j'étais très très contente de voir au fur et à mesure des années pousser l'arbre qui a été remis dans la cour à l'emplacement où était l'ancien arbre. Et c'est assez étrange de voir cet arbre qui grandit au fur et à mesure des années. Et non, c'est, je pense que enfin, là où ça a été le plus extraordinaire, c'est dans les scènes où on est censé être à l'extérieur, en particulier dans ces scènes de jardin à Aix-en-Provence. Et on était là sous les étoiles, mais on avait les étoiles aussi en vrai. Le public était sous les étoiles. Et ça, c'était assez magique. Donc vous avez une relation particulière avec Aix-en-Provence. Vous aimez ce festival ? Ah bah oui, bien sûr, évidemment. De toute façon, j'ai eu cette production du couronnement de Poppée qui a été pour moi, enfin pour moi, il y a avant et après. Ma rencontre avec Klaus-Michel Gruber a été vraiment... Lui aussi vraiment un très grand dramaturge. Hein. C'est un grand dramaturge aussi, Klaus-Maria Gruber. Oui, et puis il n'y avait pas seulement ça, c'est que Stéphane Lissner avait bâti une ambiance d'abord de travail qui était assez unique. Que j'avais pas trouvé dans des festivals auparavant, qui était une espèce de ruche, mais en même temps où on laissait vraiment les artistes travailler. On sentait pas la pesanteur de tout l'appareil de l'organisation. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que toute l'organisation était mise au service de ce que les artistes allaient pouvoir fournir de meilleur. Et ça, c'est une chose que j'ai rarement trouvée. Et qu'on avait là. Et quand on arrivait, on était... Bon, c'est vrai que le fait de travailler l'été, quand il fait beau, etc. Bon, tout ça, ça y participe. Mais l'ambiance de travail, cette espèce de confiance aussi donnée aux artistes. C'est-à-dire, voilà, on vous a engagé. On a engagé Monsieur Intel pour travailler avec vous, le metteur en scène, etc., le chef. Et maintenant, on vous laisse les clés. Et on fait tout pour que vous ayez les meilleures conditions pour travailler. Et puis les équipes aussi étaient choisies de manière à ce que ça puisse donner quelque chose et qu'une magie puisse opérer à l'intérieur même d'une production. Enfin, il y a eu des rencontres. Et je crois que j'ai fait les plus belles rencontres professionnelles avec des metteurs en scène, des chefs d'orchestre. Au Festival d'Aix. Mais c'est un bel hommage que vous rendez à Stéphane Lissner. Oui, mais vraiment. D'ailleurs, la dernière fois que je l'ai vu, je le lui ai dit. Parce que c'est vrai qu'on vit une époque où tout est tellement dirigé par l'argent et on vous le fait sentir terriblement. Oui, malheureusement. C'est, oui. C'est vrai que là, on avait l'impression que c'était d'abord l'art était favorisé. Tout était fait pour que artistiquement il se passe des choses. Et oui. on vous jetait pas en travers de la figure l'argent que ça avait coûté. Vous voyez, il y avait une sorte de d'émulation réelle. Mais ça devrait être toujours comme ça. Pour le travail de l'opéra. Ça devrait être toujours comme ça. Une structure culturelle, les gens qui travaillent pour une structure culturelle devraient être au service des artistes. Bah oui, mais aujourd'hui, vous savez, on essaie de nous culpabiliser par rapport à l'argent que ça coûte. On essaie de nous dire, bah écoutez, estimez-vous heureux parce que ça durera pas. C'est vrai qu'il y a une espèce de chape de plomb là en ce moment qui pèse sur nos métiers et qui fait que on a du mal à se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire la démarche artistique, oui, parce que quelque chose de très très lourd est en train de peser sur nos épaules à nous aussi. Et en plus de ça, on nous fait, on est presque obligé d'avoir des espèces de complexes parce que politiquement, on nous dit ah oui, mais ce qui ne fait pas d'argent, ce qui ne ramène pas d'argent, est coupable. Donc on a une sorte, même par rapport à la variété, si vous voulez, il y a une sorte de basculement qui s'est opéré. Aujourd'hui, n'importe quelle chansonnette à la noix, un grand renfort de guitare électrique a plus de poids et plus de valeur que notre travail à nous. Et on se sent petit à petit complètement déconsidéré. Oui, malheureusement. Oui, enfin bon, ça c'est une guerre, c'est pas la peine de la mener parce qu'elle est perdue d'avance. C'est ce que me disait aussi André Tuboeuf
à qui je parlais de ça il y a quelques mois, vers qui je me tournais en me désespérant, etc., et en me disant au moins j'aurais en lui une oreille attentive. Et en fait, il était très, très résigné par rapport à ça. Mmh. Mais bon, essayons de faire pour l'instant tout ce qu'on peut. Et je pense que ce qui va se passer ici avec ces masterclass, c'est... Est-ce que Cyril Rovry essaye de faire, va y participer aussi. Oui, je trouve que c'est bien aussi d'aller vers les jeunes chanteurs. Je ne veux pas être pessimiste, mais oui. si les jeunes chanteurs, une fois qu'ils sont formés, ne trouvent pas de travail... Oui, c'est la catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est donc la catastrophe. Il faut que aussi nous soyons le plus possible responsables et que surtout on trouve des systèmes différents, une manière de créer du mécénat, de recréer du mécénat, une manière de d'amener les publics, mais surtout de financer l'opéra, parce que sinon on court à la catastrophe. Oui, trouver de nouveaux modes, de nouveaux moyens de financement. Ouais. Notamment avec le partenariat privé, mais le mécénat, donc comme vous l'avez dit, le mécénat, c'est pas dans les coutumes françaises, malheureusement. Mais c'est déjà pas dans les coutumes, mais le gros problème, c'est qu'il n'y a pas d'incitation fiscale à le faire. Oui, il n'y a pas d'incitation. Pas encore. Pour l'instant, il y a une sorte de vide, c'est-à-dire qu'on est entre une période toute étatique et une période nouvelle, mais qui n'a pas commencé encore. Alors, on va écouter un extrait de Traviata. Vous avez choisi Montserrat Caballé. Pourquoi? Oui, parce que c'est une voix qui me fait du bien. J'ai l'impression de boire du miel quand je l'entends chanter. Et régulièrement, je reviens à cette voix parce qu'on sent une telle liberté, une telle facilité. Et puis, il y a cette aura extraordinaire de cette voix. Je l'ai beaucoup écoutée quand je travaillais Traviata et c'est ça qui me faisait le plus de bien, voilà. Alors on écoute tout de suite Montserrat Caballé. Oh,
C'est difficile de prononcer quelques mots après avoir entendu Montserrat Caballé. Mireille Delange? Oui. C'est très difficile de parler après lorsque l'on vient d'écouter Montserrat Caballé. Bah oui, il y a surtout dans cette ère-là, il y a ces aigus pianissimo qui sont supersoniques. Et voilà, ça lui tient lieu de style, de. Ce qui est extraordinaire, c'est à quel point on entend une âme derrière ces sons-là. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Hein. Et on comprend le désespoir et la fin prochaine de cette femme. Oui, on ressent l'âme, c'est tout à fait ça, on ressent l'âme. Et elle est, c'est pour ça aussi qu'elle était tant prisée dans les Bellini aussi, dans le Belcanto, hein, dans les Oui, opéras du absolument, Belcanto, absolument. Donizetti et puis Bellini surtout. Et alors Georges Prêtre, c'est Georges Prêtre qui dirige. Georges Prêtre, vous l'avez connu? Oui, j'ai fait avec lui, j'ai chanté Mélisande avec lui à la Scala de Milan, dans une production de Pierre Médecin. Et c'était émouvant. Il a fait cette production pour fêter ses 80 ans. C'était évidemment très, très émouvant d'être sous sa direction. Et puis, c'est un chef qui est à l'écoute des chanteurs, non? Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est proche des chanteurs? Bien sûr, bah il a fait quand même fait sa carrière beaucoup avec les chanteurs et avec l'opéra en tous les Et cas. à la fois, c'est un chef qu'on a rarement vu, qu'on a peu vu finalement en France, qui a dû Oui. s'exiler, qui a fait une partie de sa carrière à Vienne, dans les grandes maisons d'opéra en Italie, aux États-Unis. Oui, Mais ben qu'on a. les prophètes en ce pays. C'est étrange. Oui. Très Oui, étrange. drôle de parcours, mais enfin, c'est un grand monsieur. Alors ensuite, Aymeric, Dans peut-être? les grands chefs que vous nous avez amenés, il y a Marc Minkowski qui tient, je pense, une place particulière dans votre carrière également. Bah oui, c'est devenu un ami. C'est assez drôle parce que il était venu à Nancy me voir dans mon premier dialogue des Carmélites où je chantais Blanche. Et un mois après, j'enregistrais un disque baroque avec lui, alors que moi j'avais fait très très peu de musique baroque. Je m'y étais intéressée, bien sûr, parce que quand j'étais à Strasbourg, quand je faisais mes études à Strasbourg, une classe de musique en scène s'est ouverte au conservatoire. Et donc il y avait pas mal de gens qui venaient apprendre le clavecin, puis les cordes baroques aussi, évidemment. Et j'ai eu chez moi, pendant quelque temps, en pension, un clavecin qui appartenait à un ami qui ne pouvait pas le garder chez lui. Et donc, à ce moment-là, je me suis beaucoup intéressée à ce style et je me suis dit que c'était impossible aujourd'hui pour un chanteur de ne pas savoir faire un ornement et de ne pas s'intéresser, au moins de s'y intéresser. C'est-à-dire, j'avais ça dans mon petit bagage. Et puis, j'ai commencé mes premières armes lyriques avec une petite association qui s'appelait Apollon. Association pour la promotion des œuvres lyriques oubliées ou négligées, il faut que je dise le tout, parce que sinon ça n'ira pas, et qui était dirigée par des gens très très courageux et qui justement voulaient faire connaître des œuvres lyriques pas connues, qui étaient, voilà. Et donc j'ai fait là mes premières armes, j'ai fait mes premiers chœurs dans Duchesse de Gerolstein. Alors c'était assez héroïque parce que on fabriquait les costumes nous-mêmes. On faisait des décors, on mettait la main à la pâte pour les peindre, enfin on faisait un peu de tout. Et c'était formidable, c'était des gens extrêmement enthousiastes. L'orchestre, c'était des élèves du conservatoire. C'est Roger Delage qui, de temps en temps, dirigeait, qui était le spécialiste français de Chabrier, avec lequel ensuite j'ai mon premier disque. Un disque de Chabrier, enfin bref. Donc j'ai fait mes premières armes avec cette association et qui a aussi monté des opéras baroques par la suite. Et donc j'ai fait mes premiers pas sur scène, autant dans Bernstein que dans Chabrier, que dans Lully, que voilà. Donc j'ai tout de suite plongé dans ce métier, d'abord avec des partitions inconnues, qui a été une très 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 bonne école parce que quand on fait Trouble in Tahiti, qui n'existe pas d'enregistrement, ben on n'a que la partition. Et ça, c'est vraiment une très très bonne école parce qu'on est obligé de tout faire et de se créer un imaginaire par rapport à un style de musique.
Et ça, je dois dire que c'était extrêmement formateur. Alors, une des manies françaises, et une des manies d'ailleurs des journalistes français, des critiques, c'est de mettre des étiquettes sur les chanteurs. Vous, on peut Oui, pas. alors Vous, moi on je peut suis pas. vraiment Vous êtes complètement atypique. le contre-exemple parfait. Donc moi j'ai fait de la musique baroque, je dis par hasard, et Minkowski m'a fait faire de la musique baroque. Alors je ne me sentais pas du tout destinée à ça, alors que j'avais déjà chanté Faust, Michaëla, Mélisande, etc. Il m'a mise à... Enfin, c'est lui qui a décidé que j'étais faite pour ça. Voilà, donc j'y suis allée. Bon, le premier disque, il voulait me faire faire toutes les pièces. Et j'ai dit, écoute, non, c'est pas possible, c'est trop tôt, je me sens pas de faire ça, etc. Et donc, il m'a un peu forcé la main. Et c'est comme ça que j'ai fait Platée avec lui. Mais c'est aussi lui qui m'a fait venir à Aix-en-Provence, d'ailleurs. Il tenait absolument à faire Poppée avec moi. Et c'est grâce à lui, finalement, que je suis allée à Aix-en-Provence. Mais d'ailleurs, quand on vous voit dans La Folie, hein, dans Platée, moi, c'est une Ah, image que je m'enlève pas de la c'est tête. Hein. Il s'est quand même pas trompé. Hein. Vous êtes extraordinaire. Hein. On la vous voit sur... Oui, il y Oui, a ça, mais il y a d'autres tout est choses. extraordinaire, la production. C'était magique, ce Platée, d'ailleurs. Ça Ah bah oui. doit rester à jamais dans le souvenir. Et puis, toutes les spectateurs qui étaient dans la salle, dans les salles, ont été marqués par ce Platée. Oui, mais au-delà de ça, ma rencontre avec Minkowski n'était pas non plus un hasard dans la mesure où c'est quelqu'un qui s'intéresse au théâtre énormément. C'est-à-dire Oui. qu'il fait du théâtre en musique, Ah ben, il plus a que tout d'être simplement compris. un chef d'orchestre. C'est Et l'opéra, c'est le dans le théâtre. Platée dont vous parlez, ce qui était fantastique, c'est que Pelli faisait de la musique et Minkowski faisait du théâtre. Et ils parlaient chacun du territoire de l'autre. Et c'était vraiment extraordinaire parce qu'on n'avait pas l'impression. Et puis moi, j'ai mis mon grain de sel aussi parce que j'ai dit, tiens, mais la folie, c'est pas, elle doit pas être folle. Elle est la folie. Elle est la folie et elle essaye de rendre les autres fous. Et Exactement. Elle les entraîne. oui, en scène. Et donc, elle est dangereuse pour les autres. C'est-à-dire qu'on l'amène, on la fait venir pour que la fête soit plus folle. Mais en même temps, à un moment donné, elle fait un peu peur parce que effectivement, les autres ont peur de devenir fous. Alors, Donc il y avait plein de choses, il y avait une espèce d'apport comme ça de tout le monde et qui faisait un joyeux pot où on mettait des tas de choses vous avez qui ont choisi. contribué à faire de ce spectacle ce qu'il est devenu. Alors, vous avez donc choisi l'ouverture d'Hercule Oui. par Marc Minkowski. Donc, on va l'écouter tout de suite. Thank you.
Mireille Delage. Je trouve qu'il n'y a, personne qui fait Rameau, Gluck et Händel comme lui, je trouve. Il a une façon de faire parler l'orchestre, mais aussi de le faire rire, de le faire jouer. C'est la vie, on sent la vie, on sent tout. C'est formidable, quoi. C'est... Mm. Et il y a surtout une chose qui m'a bouleversée chez lui, parce que franchement, avant de chanter Gluck, je n'avais pas du tout envie de cette musique. Mais quand j'ai découvert avec lui, ça a été une révélation. Parce qu'il a le génie de faire arrêter l'histoire de la musique à la partition qu'il a en main. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne traite du Gluck comme du sous-Mozart. Il décide que l'histoire de la musique s'arrête à Gluck au moment où il a cette partition dans les mains. Et donc, ça implique une fraîcheur de lecture que je vois rarement. Et qui est formidable. C'est-à-dire qu'il ne se demande pas ce qu'il y a eu après dans l'histoire de la musique. Oui, il prend l'œuvre telle qu'elle est. Voilà. Il la défigure pas. Sans préjugés ou sans la placer dans l'histoire de la musique. Alors Mireille Delange, quand vous avez un nouveau rôle, quel travail faites-vous par rapport à la théâtralité du personnage? Par exemple, quand vous épousez Mélisande, quand vous... Comment rentrez-vous dans ce personnage? Je me rapproche par cercle concentrique. Ça fait des espèces de grandes spirales qui font que petit à petit, je m'en rapproche. Ce que je fais toujours, c'est d'essayer de lire des choses autour de ça. D'abord, des choses littéraires. En général, savoir d'où vient le livret. Lire l'œuvre mère, d'ailleurs, la plupart du temps. Donc, vous prenez du temps. Puis... Ah oui, ça, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Est-ce que c'est un message, excusez-moi, est-ce que c'est un message que vous allez essayer de transmettre à ces jeunes chanteurs qui veulent épouser cette carrière? Ben oui, bien sûr. Pour moi, ce métier, c'est d'abord un métier de culture. Culture dans le sens de se cultiver, le sens que ça n'a plus jamais d'ailleurs. On ne peut pas faire ce métier sans aimer la littérature, sans aimer le théâtre, sans essayer d'y aller en plus, souvent, au théâtre. Que à chaque fois que je vais au théâtre, j'ai des éblouissements. J'ai vu par exemple le soulier de satin de Claudel, mis en scène par Olivier Py. Ça a été un éblouissement absolu. Et je me dis, un chanteur d'opéra qui ne va pas au théâtre, il lui manque quelque chose, même si je n'y vais pas très souvent parce que je vis à la campagne, mais c'est indispensable. Et puis la lecture, la littérature... connaître un peu la peinture, connaître les langues étrangères. Voilà, enfin, c'est vraiment un métier de culture dans le sens vaste du terme. Et c'est absolument indispensable. Moi, c'est ce qui me nourrit
en amont. Quelque part, c'est Et mettre de le ce point temps. de vue-là, le rôle ensuite me nourrit, Quelque part, si vous voulez. c'est mettre le temps entre parenthèses aussi. Ben oui, parce que on a un devoir par rapport au public d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a entre les mains des chefs-d'œuvre du passé. Et en même temps, ces chefs-d'œuvre du passé, s'ils ne passent pas par nous, ça n'est que du papier sur une étagère. Donc, on a un devoir à la fois de rendre compte du chef-d'œuvre, mais en même temps de le rendre vivant. Et le rendre vivant aujourd'hui, il y a un public d'aujourd'hui qui va voir ça, alors que la veille, il aura été voir Matrix au cinéma et que le surlendemain, il ira au cabaret et que le soir suivant, il sera devant sa télé en train de regarder un DVD. Pour moi, l'opéra s'inscrit dans une offre culturelle globale. C'est pas. Mais en même temps, justement, on a ce devoir de se renseigner un maximum pour pouvoir parler du passé au présent. Je sais pas si je peux bien comprendre. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est un langage que doivent entendre les jeunes chanteurs. Hein, parce que je sais. Bah oui, c'est-à-dire que le piège, évidemment, c'est Surtout de dans ce cultiver monde. sa belle voix, et puis de tomber dans cette espèce de narcissisme qui consiste à aller montrer sa belle voix, sous le prétexte de jouer un opéra. Or, pour moi, c'est vraiment pas du tout ça. C'est-à-dire que l'opéra, pour moi, est un art nécessaire. C'est quelque chose, c'est un art qui apporte énormément. Encore C'est un faut-il art qui justement réunit tous les avoir. arts, hein. C'est l'art total. Oui, mais en même temps, c'est une utopie, parce que c'est vraiment l'utopie de l'art total qu'on a entre les mains. Mais c'est impossible en même temps. C'est une espèce de douce rêverie, l'utopie de l'art total. Mais en même temps, on peut s'en rapprocher. Et les moments où on s'en rapproche, sont des moments absolument inoubliables dans l'esprit des gens. Je vous entendre parler comme ça, je pense que je vais le mettre en boucle sur le site, hein, de la compagnie Opéra pour tous, pour toutes les masterclass qu'on organise, tous les jeunes chanteurs qui viennent nous voir et qui nous présentent des airs et on se demande s'ils savent ce qui s'est passé avant et après, s'ils n'ont pas travaillé que Mais leur je crois que c'est partition. déjà il y a une peut-être quelques mots à retenir pour un jeune chanteur, c'est de prendre le temps. Et le souci dans ce métier, et avec les agents aujourd'hui et autres, c'est d'aller très vite, quoi. Je vois les ténors, ça va très très vite, quoi. Et Alfredo Kraus, par exemple, que j'ai bien connu, Alfredo Kraus prenait beaucoup de temps. Et il se laissait aussi beaucoup de temps entre chaque nouvelle production. C'est un peu votre cas d'ailleurs, Mireille Delage. Ah non, ça n'a jamais été mon cas. Mais moi, j'ai travaillé comme une forcenée. Je travaille comme une forcenée. Mais je peux pas faire autrement. Justement, parce que j'ai conscience de cette espèce de responsabilité, on peut pas faire autrement. Mais en même temps, c'est vrai que le métier étant ce qu'il est, soit on travaille énormément, soit on travaille pas du tout. Donc, quand on a la chance d'être demandé beaucoup, forcément, on travaille énormément. C'est impossible autrement. Le danger étant évidemment. Du fait qu'il n'y a plus de troupe, Et du oui, fait c'est qu'on est ça. sans arrêt en voyage, du fait qu'en voyage, on n'a pas les conditions pour travailler. Les théâtres d'opéra ne considèrent pas les chanteurs comme des musiciens, parce que les théâtres où il y a des pianos à disposition pour travailler d'autres rôles, pour travailler tout simplement pour soi, ça devient rarissime. Enfin bon, ça fait partie de... Mais cette espèce de... Ce qui est aussi très très dangereux aujourd'hui pour les chanteurs, c'est que c'est le phénomène Kleenex, quoi. C'est-à-dire, on s'intéresse à vous pendant 5 ans, Oui, on vous c'est presse terrible. le citron, on vous demande absolument en l'espace de 5 ans, de chanter tous les rôles qui sont pour votre tessiture, sans le soutien de ce qu'apportaient dans le temps les troupes. C'est-à-dire sans avoir des pianistes, sans pouvoir se reposer ni rien, ce qui fait que on est sous une pression permanente qui fait que certains chanteurs, au bout de 10 ans, c'est terminé. Ils ont 10 ans d'une carrière éclair, on les connaît pendant 5, et puis voilà, poubelle, quoi. On passe à autre chose. Et ça, c'est vraiment très très triste, parce que on a en effet jamais le temps de s'installer dans ces rôles. Très souvent aussi, quand on vous propose un rôle pour la première fois, on va jamais vous le reproposer parce que
étant donné que un autre directeur a eu l'idée de vous le donner, ben on va pas suivre cette idée parce que bien sûr soi-même on en a une autre. Enfin voilà, il y a une espèce de machine à broyer les chanteurs qui est en marche. C'est horrible, hein. Qui rend ce métier vraiment très très difficile. Oui, et moi, je suis vraiment très pessimiste pour des jeunes chanteurs parce que, quelle que soit la belle voix qu'on a, d'abord c'est très difficile de trouver sa place et ensuite de concevoir. Moi, je ne crache pas sur le mot de carrière comme le font, comme affectent de le faire la plupart des gens aujourd'hui. Parce que pour un chanteur, ça veut vraiment dire quelque chose. Mais ça veut dire dans le sens de la construction, mais aussi dans le sens de la durée. Parce qu'une voix, si on lui laisse le temps, si on ne la presse pas comme un citron, elle peut se développer lentement. C'est le cas de carrières extraordinaires comme, je sais pas, Christelle Ludwig ou des carrières comme ça, ou Léonie Rizanek. Voilà un exemple aussi de carrière fantastique. Extraordinaire. Bon. Mais encore faut-il permettre aux chanteurs d'abord de reprendre des rôles, ne serait-ce que ça. Moi, j'ai passé ma vie à apprendre des nouveaux rôles et à ne plus jamais les faire ailleurs. Parce que, voilà, j'ai fait une seule fois Fiordi Ligi dans ma vie. Ce que je trouve hallucinant, parce que c'est exactement pour ma voix. Vitellia, pareil. La Comtesse, je l'ai fait deux fois. Voilà, Pamina, j'ai fait deux fois. Enfin, des rôles qui sont absolument pour moi. Et bon, voilà, c'est parce qu'il y en a un qui a eu l'idée, ben, le second affectera de ne surtout pas faire comme son collègue. Et alors, quel regard portez-vous justement sur les maisons d'opéra et sur l'art lyrique en France ? En France, si je parle de ce qui se passe en France, je vais encore me faire des ennemis. Non, je trouve que ce qui est très, 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 très dommageable, c'est le mépris qu'on a pour les théâtres de province. Oui, ça c'est très dommage, parce qu'il se passe quand même de très belles choses en province. Quoi, hein, Non, mais c'est-à-dire que les directeurs d'opéra aujourd'hui en province sont des héros. Mmh. Je le dis. Ah oui. Ce sont des héros. Ils arrivent à faire des miracles avec 2 francs 50. Mmh. Ils ont des pressions phénoménales sur le dos. Les salles sont pleines. Oui, c'est plein à craquer. Mais ils sont obligés et de restreindre le nombre de représentations et le nombre de productions. Ce qui fait que, le drame aussi par rapport à ça, c'est que les villes sont seules à porter souvent le poids d'un théâtre lyrique. Bah, ici, à Aix, on est à Marseille, qui est un grand temple lyrique. Un temple oui, où mais Marseille ne devrait pas non plus être la seule ville, c'est-à-dire toutes les villes de couronne devraient participer. Oui, mais c'est hallucinant qu'il y ait que la ville qui porte la charge de cet opéra. Oui, mais vous savez, c'est partout, dans toutes les régions de France. Hein. Oui, c'est partout pareil maintenant, c'est pratiquement partout pareil. C'est partout pareil et c'est terrible parce qu'il n'y a aucune raison que les communautés de communes ne participent pas à un théâtre qui devrait être pas seulement l'apanage de la ville, mais aussi de toutes les villes alentour. Oui, c'est le phare, c'est un phare. C'est un phare, voilà. Qu'il faut surtout pas, il faut surtout pas qu'il s'éteigne, ces phares, parce que ça donne une... Oui, c'est très important, quoi, les maisons d'opéra et malheureusement elles disparaissent, elles sont menacées en France, quoi, dans beaucoup d'endroits. Et puis bon, c'est vrai que du temps où il y avait des troupes, les choses marchaient mieux parce que simplement, vous savez, le problème de l'opéra, c'est que si on supprime l'offre, on supprimera la demande. Il y aura plus de demande. Oui, et puis quand on voit quand on regarde sur les médias, c'est une peau de chagrin, là, que ça soit même dans les journaux, dans les on parle très peu d'opéra, il faut pas se mentir, quoi. Ah oui, bien sûr. Quant à la télévision, il faut attendre 1h du matin pour voir de temps en temps une émission sur l'art lyrique, quoi. Non, mais de toute façon, je pense qu'on se trompe de combat. C'est-à-dire qu'on devrait, au lieu de considérer l'opéra comme une chose... Vous savez, le problème, c'est aussi que dans l'idée de la plupart des gens, l'opéra est une chose inaccessible. Oui, on en a fait quelque chose. C'est pas pour moi, j'y comprendrai rien, il faut être initié, etc. Toutes ces choses qui sont totalement obsolètes. On n'a plus besoin d'être initié. On n'a pas besoin d'être initié pour aller à l'opéra. Quand j'étais petite fille et que j'allais à l'opéra, mon père me racontait les histoires des opéras. Parce que, évidemment, j'avais assez peu de chance d'y comprendre quelque chose quand c'était en italien ou en allemand. Et puis,
Mais aujourd'hui, il y a le surtitrage. Ça veut dire que moi, j'ai amené des gens, j'ai amené des tas de gens à l'opéra. Mais il m'est même arrivé d'offrir des places d'opéra à des chauffeurs de taxi ou à des serveuses qui me disaient « Ah, mais moi, je ne peux pas y aller, etc. » J'ai dit « Vous avez vraiment envie d'y aller ? » ?»« Eh bien, écoutez, vous aurez une place tel soir, etc. Mmh. » Et je n'ai jamais eu de contre-exemple au fait que les gens m'ont dit en sortant « Mais oh, mais c'était extraordinaire, je ne savais pas que c'était ça, l'opéra. » Voilà. Alors, on a des théâtres qui sont magnifiques, qui, dans certaines villes, tombent en ruine, parce que là aussi, il ne faut pas se voiler la face, ils sont souvent dans des états lamentables. Et les gens qui vivent dans ces villes, qui passent dans ces villes, qui vont travailler dans ces villes, n'ont même pas l'idée, la curiosité, sont pas incités à y entrer pour voir ce qui s'y fait. Ça, c'est quand même très triste. Je pense au théâtre de Bordeaux, par exemple, qui est vraiment un des plus beaux théâtres de France. Oui, très bien dirigé par Thierry Fauquier. Il y a des gens tous les jours qui passent devant et qui ne savent absolument pas ce qui s'y passe, qui n'ont aucune idée. Malheureusement. Voilà, c'est assez triste. Mais c'est aussi à nous de changer ça. C'est-à-dire qu'on est quelque part tous responsables aussi. Bien sûr, il y a l'argent, bien sûr, il y a l'image de l'opéra. Mais est-ce que vous ne pensez pas, justement, quelque part aussi, que les pouvoirs publics, que tout le monde est responsable, on est tous responsables par rapport à ça, mais est-ce qu'on n'en a pas fait un art élitiste un peu ? Mais c'est un art élitiste, et heureusement, oui, mais... si Flaubert était la même chose que Christine Angot, ça se saurait. Oui, bien sûr. Si Verdi était la même chose que le rap, ça se saurait. Oui. Et ça n'est pas la même chose, justement, non. Et moi, je militerais pour dire ça. Mais oui, c'est un art élitiste et il faut que ça le reste. Et d'ailleurs, j'ajouterai une chose qui va peut-être vous choquer. Mais je trouve que les places de théâtre d'opéra en province ne sont pas assez chères. Oui, elles ne sont pas chères. Elles ne sont pas chères du tout. Oui, ça, c'est vrai. C'est-à-dire, si ça devient moins cher qu'un match de foot ou qu'un concert de Johnny Hallyday, ça ne va pas. Parce que c'est quand même un truc qui est fait en direct devant vous avec des dizaines voire des centaines de personnes qui font la chose devant vous en direct, ça devrait avoir une valeur suprême quand même. Vous voyez, donc un peu, en général je trouve qu'on se trompe de combat, et surtout ce que je trouve c'est qu'on devrait se servir de ce que l'opéra est un art visuel pour amener les gens grâce à l'opéra à la musique classique. Or c'est pas du tout ce qu'on fait. Non, c'est presque à la limite l'inverse. Et, mais c'est à nous, justement, à Serge, à vous, à moi, aux radios, justement, de faire comprendre que l'opéra, c'est la vie. Tout simplement. L'opéra, c'est la vie. Et c'est surtout quelque chose qui se fait. Ça n'a plus rien. Enfin, ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que c'est du vrai théâtre, c'est que c'est un vrai spectacle avec des gens qui jouent vraiment la comédie. Et ça n'a plus rien à voir avec des gens qui chantaient des airs avec la main sur le cœur. Eh oui. Ça existe encore. Il y en a quelques-uns encore qu'on voit avec les. Oui, il y en a encore quelques-uns. Mais ils sont rares. On va dire qu'ils sont rares. Ça devient rare. Ouais. C'est Hergé nous a fait beaucoup de mal avec sa Castafiore. Mais... Elle reste dans les livres. Oui, pas forcément. Mais en même temps, vous savez. Il faut qu'on en parle. L'essentiel, c'est d'en parler. Vous savez, je suis allée chez Stéphane Bern, par exemple, dans son émission Le Fou du Roi. Oui. Bon, on m'a traité comme une espèce de douairière qu'il fallait surtout pas trop faire parler parce qu'ils avaient peur que je dise des choses que personne n'allait comprendre. Mais tant pis, il faut y aller. Mais oui, parce que bon, Stéphane, c'est aussi quelqu'un qui aime ça et qui a envie de faire partager aussi. Oui, puis c'est une des rares émissions... grand public ou à une heure de grande écoute. Il n'hésite pas à faire venir un pianiste qui joue du Tchaïkovski à côté du zinzin le plus horrible, quoi. Tant pis, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que ça existe dans la tête des gens. Alors, malheureusement, une heure, ça passe très vite. Donc, pour conclure cette émission, quels sont les projets de Mireille Delinge dans les mois à venir, à part les masterclass là à Marseille ce dimanche? Alors, je vais chanter les Sherazades de Ravel avec l'Orchestre de Lyon les 17, 18, 19. Il y aura deux concerts à Lyon, 17 et 19, et un à Annecy le 18. Ensuite, je prépare deux opéras baroques, à savoir le Cléophide de Johann Adolf Haas, qui sera donné à la Cité de la Musique avec le Seminario Musical et direction Florence Malgoire. Sublime. Le 24 mars. Ça va être sublime. Et le 6 avril, je chanterai Naïs de Rameau, dirigé par Hugo Rennes,
également à la Cité de la Musique, dont on fera un CD. Et puis ensuite, je me lance dans quelque chose de totalement différent, c'est les Huguenots de Meyerbeer qu'on va faire avec Olivier Py et Marc Minkowski au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles au mois de juin. Ah, ça, c'est magnifique voilà. Aussi, les Huguenots. Mais c'est un très, très beau programme. C'est un programme, d'ailleurs, les Huguenots, c'est... Il y a Montserrat Caballé, à un moment donné, qui a rencontré cette œuvre, si je me souviens oui, bien. Oui, oui, oui. Ben, y a des très grands chanteurs. Hein. Il y a Richard Leitch qui chantait ça merveilleusement bien. Quoi. Et le ténor, vous êtes associé à quel ténor, à la Monnaie Écoutez, là, ça m'échappe, là. Je ne peux pas vous dire là tout de suite. On verra ça. Mais en tout cas, voilà. Bah, écoutez, je vous remercie. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous sur les ondes. Si la musique m'était comptée, c'est que du bonheur, une heure que je mettrai entre parenthèses de ma vie. Comme je vais vous raconter une dernière petite anecdote, je vais la partager avec vous. C'est ma fille, lorsqu'elle avait 7 ans, le premier opéra qu'elle a vu, c'était Traviata. Ah oui. Et elle est sortie en larmes, elle était malade, elle est sortie en larmes, elle est restée jusqu'au bout. Et un an plus tard, ou un an et demi plus tard, était dans une grande surface et elle a choisi un DVD pour son anniversaire et ce DVD c'était c'est Traviata et c'était beau voilà oh, donc j'étais vraiment ravi de vous avoir aujourd'hui avec nous. Ah oh, mais c'est magnifique, voilà. Merci de m'avoir raconté ça. À très bientôt, au revoir. À bientôt, à dimanche, au revoir. Que ça gêne, n'ont qu'à penser tout bas. Bah, ça ne dure pas. Ça, pourtant la chance qui m'a souri, je le sais d'avance, est infinie. Quelle insolence, mais quel bonheur aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie. Je vais toujours content. Quelle que soit la route vers le printemps, je vais loin des soucis, car ils s'enfuient quand je ris. J'ai de la veine depuis toujours, j'ai de la veine, même en amour, puisque je l'aime et puisqu'elle m'aime aussi. Oui, je suis un vernis dans la vie.